Je disais tout à l'heure que le message français, le message des Lumières, de la Révolution française, des droits de l'homme, il est toujours aussi fort. Peut-être plus fort à l'étranger qu'en France même. – Pourquoi les Français ne s'y intéressent pas, à cette francophonie ?– Je le regrette, je vais essayer de faire en sorte qu'ils s'y intéressent davantage. Vous savez, monsieur, j'ai vu, lorsque j'ai provoqué, sans le faire exprès, cette polémique… – Oui, on rappelle, le chanteur qui représentait la France s'exprimait notamment en anglais. Ça vous a agacé, ça ?– Oui, ça m'a un peu agacé. Ce qui m'a surtout agacé, c'est que le chant des supporters de l'équipe de France de football à l'Euro 2016 soit en anglais. Ah oui. L'Euro 2016 se passe en France et on ne fait rien de mieux pour choisir le chant des supporters que de choisir une chanson anglaise. Donc je l'ai dit par un petit tweet comme ça, ouais. Et je me suis aperçu que ça provoquait pas mal de remous sur Twitter. Mais dans la rue, chez moi en Isère, ici à Paris, je sens que les vrais gens, les Français qui aiment leur pays, aiment leur langue française et me félicitent, me soutiennent à fond dans cette défense de la langue française. Il y a une sorte de patriotisme de bon aloi, enfin pas de nationalisme, de patriotisme de bon aloi autour de la langue française. Il faut élargir ce patriotisme qui existe autour de la langue à la francophonie.